C'est dur de pas savoir rire à l'université quand même. Ils n'ont pas allé à l'école. Ils ont été à l'UQAM seulement, pas besoin de savoir rire. Et on est comme ça. Non, ça va. OK. Non, c'est là, Michel, il est là, il est où? Il veut pas te laisser passer. Les policiers sont là. Hein? Les policiers sont là. OK. Maintenant, on appelle les journalistes. Alors, merci pour votre présence physique et bravo pour votre courage d'avoir affronté les manifestants de gauche. Et à ceux qui me suivent sur Zoom, vous avez manqué quelque chose. Ah, je vais tout vous expliquer ça. Donc, ma conférence aujourd'hui porte en fait sur le chapitre 9 et 10 de mon dernier livre qui est « La biologie de l'amour ». Est-ce que ça fonctionne? Ah, voilà. OK, c'est bon, merci. Donc, j'ai écrit 4 livres sur les sujets suivants, la nutrition, la spiritualité, la politique et, tout récemment, l'amour. Je répète, la conférence ce soir ne portera pas sur le livre dans son ensemble. Je vais prononcer une conférence le 13 février aux sceptiques sur les chapitres 1 à 8. Ce soir, le sujet, c'est spécifiquement les chapitres 9 de l'homosexualité, explication scientifique de l'homosexualité, et chapitre 10, l'identité de genre. Ça va être en présentiel et aussi en virtuel, le 13 février. Bon. Ceux qui étaient présents l'année passée se rappelleront sûrement de mon dernier livre, « L'abrutissement de l'espèce humaine ». Vous êtes quelques-uns dans la salle à l'avoir lu. Il y avait 6 chapitres, rappelez-vous, où je dénonçais des phénomènes sociaux, 6 phénomènes dans tous les cas, 3 associés à la droite, puis 3 associés à la gauche. Et parmi ceux associés à la gauche, donc la colonne de droite, ce soir, je vais traiter spécifiquement du numéro 5. Là. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les 3 phénomènes de gauche qui sont à droite sont des piliers d'une idéologie là, qu'on appelle le postmodernisme, qui s'appuie… j'ai oublié ce passage-là. J'associe les délires de droite à des psychoses et les délires de gauche à des névroses. Donc, je disais, le transhumanisme s'appuie sur le constructivisme radical, principe par lequel il n'y a plus de vérité absolue. Tout devient relatif, tout devient une question d'opinion. Alors, vous pouvez penser que 2 et 2 font 4, puis votre voisin pense que ça fait 5, puis c'est tout aussi acceptable. Évidemment, c'est un mouvement qui a été populaire au départ au sein des facultés de sciences sociales dans les universités.
Mais là, malheureusement, ce mouvement-là contamine aussi les sciences appliquées. On l'a vu notamment à l'ETS, là, j'ai écrit un article là-dessus dans le Nouvelliste. Et puis, notamment, ben, ce mouvement-là est en train de contaminer, là, en fait, le domaine de la biologie. Est en train, en fait, carrément, c'est du déni de la biologie, comme on va en voir des exemples. J'ai rajouté cette diapo-là à la dernière minute quand Michel Virard m'a dit que des gens se plaignaient de mon invitation en ligne. Il disait qu'il y avait un consensus scientifique sur la question de l'identité de genre. J'ai dit non. Il n'y a pas consensus. On peut être d'accord, on peut être en désaccord, mais il n'y a certainement pas le consensus. Alors, j'invite les gens sur Zoom, là, qui faisaient partie de ceux qui prétendaient un consensus, de faire un copier-coller de l'écran et de suivre ces références-là. Ça, c'est des bonnes références qui vous montrent qu'on est très loin d'un consensus. Il y a beaucoup, en fait, je dirais même qu'il y a une majorité, on ne peut pas avoir de statistiques officielles, mais je dirais qu'il y a une majorité de scientifiques, en fait, qui s'opposent à l'identité de genre, mais qui n'osent pas parler. Puis vous savez pourquoi? À cause de la fameuse culture de l'annulation. J'ai l'avantage d'être un électron libre, je peux dire ce que je veux. Des fois, je me fais chahuter un petit peu, là, comme à l'entrée, mais c'est tout, hein. Ça ne va pas plus loin que ça. Personne ne peut me faire perdre ma job, ce qui n'est pas le cas d'un professeur, d'un politicien ou même de quelqu'un qui occupe un poste de gestion à Revenu Québec, Revenu Canada ou dans une grande entreprise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel de ce que c'est l'identité de genre. Ça comprend plusieurs choses. Alors, vous avez deux dames ici, Dalida Awada, qui est une féministe voilée. Vous auriez dit ça dans les années 60, on vous aurait regardé de travers, comme on dit en bon québécois. Puis à droite, vous avez l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, qui, vous le savez, est une femme trans. Assez étonnant quand même, hein? C'est un petit peu comme si un ex-nazi devenait président d'Israël, mais bon, en tout cas, la comparaison est un petit peu poussée. Et puis, on a la nouvelle masculinité, hein, c'est assez fascinant. Une image vaut mille mots, je n'ai pas besoin de rien dire, je pense. Et oui, il y a de la publicité comme ça qui paraît pour soutenir le mouvement d'identité de genre. Et puis, l'industrie suit. Hein, l'industrie, s'il y a moyen de faire de l'argent, ben elle est là. Alors, on voit l'évolution. La photo de gauche, est-ce que j'ai un petit pointeur laser là-dessus? Bon, il ne marche pas en tout cas. Oups, j'ai éteint là. OK. Bon, qu'à gauche, j'avais une publicité de 93 de Calvin Klein, puis à droite, 2023. Et même, on parle même de réécrire le Nouveau Testament. Hein. Avez-vous entendu parler de ça? Non. C'est une blague. Alors, bref, il faut être prudent aujourd'hui. Hein? Bon, trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le sujet. Alors, biologie 101. On va définir ici trois concepts. Le sexe, l'orientation sexuelle et le genre. Trois concepts, malheureusement, qu'on mélange souvent. On va commencer par le sexe. Alors, le sexe, bien, imaginez-vous donc qu'il y en a deux. Chez l'espèce humaine, à tout le moins, déterminée par le chromosome 23, qui est soit XX, soit XY. Intersexe n'est pas un sexe. Intersexe est une anomalie. Comme trisomique, c'est une anomalie génétique. On ne disait jamais venu l'idée d'appeler ça un troisième sexe, trisomique. Ben, intersexe, en passant, c'est très, très, très rare, 0,02%, mais c'est une anomalie. Le sexe est constaté à la naissance et non pas assigné à la naissance. Et on ne peut pas changer de sexe. On ne peut pas changer le chromosome 23. Impossible. On peut faire de la chirurgie plastique.
on peut prendre des hormones, ce qui va définitivement influencer notre comportement. Mais en même temps, si on se sent déjà du sexe opposé, pourquoi est-ce qu'on a besoin des hormones dans tous les cas? Ça fait partie des paradoxes que je vais couvrir tantôt. T'sais. Ce qu'il faut comprendre maintenant, le sexe a des différences morphologiques et comportementales entre l'homme et la femme. Mais ce ne sont pas des différences absolues. Ce sont des différences statistiques. Par exemple, je prends la hauteur. En moyenne, les hommes mesurent au Canada 5 et 10. En moyenne, les femmes au Canada mesurent 5 et 5. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui mesure 6 pieds est moins une femme. Ça ne veut pas dire qu'un gars qui mesure 5 pieds 7 est moins un gars non plus. Ce sont des distributions statistiques. Et puis, on a créé un paramètre pour mesurer la corrélation entre le sexe et des attributs masculins ou féminins. C'est le facteur D de Cohen. Et ça mesure l'ampleur du dimorphisme sexuel. Dimorphisme sexuel, hein, c'est la différence entre les sexes, justement. Et puis, la hauteur, qui est quand même quelque chose de flagrant, parce qu'on le voit, ça a quand même juste un facteur D de 2,7 à peu près. Alors, on voit que l'orientation sexuelle aussi est corrélée au sexe. Ce qui veut pas dire, ça veut dire, de façon générale, un homme ou une femme vont être attirés par le sexe opposé, en général, genre 98%, dépendamment de l'environnement social, évidemment. Mais on voit ici que le facteur D de Cohen est plus élevé pour l'orientation sexuelle que la hauteur. Donc, la différence, elle est plus flagrante dans l'orientation qu'elle l'est pour la hauteur. Et un autre phénomène aussi, c'est que l'identité de genre classique, là, je ne parle pas des 115 nouveaux genres qu'on a créés récemment, mais je parle des bons vieux deux genres classiques, là, la probabilité pour un sexe de s'identifier à son genre classique est encore plus forte que celle d'être hétérosexuel. Ce qui explique que des hommes et des femmes qui sont homosexuels et qui se sentent très bien quand même dans leur peau, la peau de leur sexe. Donc ça, c'est l'exemple que je disais au niveau de la taille. Donc le facteur D, là, sans rentrer dans les détails, c'est la différence, un ratio entre la distance entre les deux pics et la hauteur des pics. Je donne plus de détails dans mon livre. Ça, c'est une différence physique, morphologique, mais il y a des différences aussi au niveau psychique. Au niveau psychique, on va parler de l'intelligence, par exemple. Cette fois-ci, tantôt, la valeur était différente, les corps types étaient les mêmes. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'homme et la femme, en moyenne, sont également intelligents. Donc, la moyenne est la même. Mais l'écart type est plus prononcé pour les hommes que les femmes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les hommes, il y a plus d'idiots et il y a plus de génies. Ce qui n'empêche pas Marie Curie d'être une femme, d'une vraie femme, même si c'est un génie, là. Mais c'est pour des raisons pas patriarcales, sûrement qu'il y avait de ça aussi, mais ce n'est pas uniquement pour des raisons patriarcales qu'il y a plus d'hommes, entre guillemets, qui ont laissé leur place dans l'histoire. Alors, avant de rentrer dans le genre, j'aimerais attirer votre attention sur autre chose aussi, c'est que, donc, il y a une série d'attributs masculins, il y a une série d'attributs féminins. Quand vous êtes d'un sexe donné, votre probabilité est plus grande d'avoir des attributs de votre sexe. Mais c'est juste une question de probabilité. Et c'est là que le fameux spectre intervient. C'est-à-dire que vous pouvez, comme homme, par exemple, avoir beaucoup d'attributs masculins, puis vous pouvez en avoir peu. Il se peut même que, en tant qu'homme, vous ayez plus d'attributs féminins que masculins. C'est ce qu'on appelle, c'est le phénomène qu'on appelle la dysphorie de genre. C'est extrêmement rare, c'est 0,014%. Mais ça existe. Donc, là, on va voir tantôt. Malheureusement, autrefois, on avait défini deux genres. J'y arrive à l'instant. Évidemment, personne s'identifiait autrefois exactement dans les deux genres officiels. T'sais. C'était deux genres extrêmes. T'sais. Petit quiz, là, pour vous garder réveillé. À quel
personnage célèbre appartient le soulier en haut à gauche? Louis XIV, exactement. On a des gens cultivés dans la salle. Et la jupe en bas à droite, ça vient de où, ça? Exactement. Bon, c'est le fun de présenter aux humanistes. Tout ça pour dire que le genre est une construction sociale. La couleur rose n'est pas associée aux femmes. Autrefois, c'était la couleur bleue qui était associée. À un moment donné, on a décidé de changer ça. Le fait de se promener. J'arrive d'Écosse, j'ai passé 2 semaines en Écosse, j'en ai vu des gars en jupe. Puis il avait l'air assez masculin. Je ne me serais pas battu avec eux autres. D'ailleurs, le problème de l'Écosse, c'est aux toilettes. Donc, comme je disais tantôt, autrefois, il y avait deux genres. Un qui réunissait tous les attributs masculins, puis un qui réunissait tous les attributs féminins. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tantôt, sur ma diapo, il y avait joué avec des camions quand on était jeune. Ça avait un facteur D assez faible, mais ça existe. Donc, ça n'a rien de culturel. Un petit garçon a plus de chances de jouer avec des camions que des poupées. Mais le facteur D est plus faible que pour la hauteur. Donc, si votre petit garçon joue avec des poupées, ça ne veut pas dire que c'est une fille. Ça ne veut pas dire ça. Okay? Donc, autrefois, puis, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu, là. Tu sais, comme le wokisme, l'idéologie de genre, est née d'une bonne intention au départ. Okay? Au départ, on avait deux genres. La plupart des gens s'identifiaient à peu près à un ou l'autre de ces deux genres-là. Mais il y a des gens qui ne s'identifiaient pas du tout. Puis ces gens-là n'étaient pas bien, là, tu sais. Et là, aujourd'hui, ben, on en a 112 genres. Donc, on n'est pas obligé d'en avoir autant que ça. Mais bon, le point, mieux trop que pas assez, le point, c'est qu'aujourd'hui, on a compris que même si tu ne réussis pas à faire tes stationnements parallèles avec élégance, tu peux être quand même un homme, tu sais. Alors, donc, heureusement, en Occident, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays encore, en Occident, ben, vous n'êtes plus obligé de rentrer dans un ou l'autre des deux stéréotypes. Moi, je n'ai jamais joué, comme je disais chez Martineau hier matin, j'ai jamais joué au hockey de ma vie, puis je suis un Québécois. Ben, je ne me sens pas une femme parce que je n'ai jamais joué au hockey. Tu sais, ça n'a pas rapport. En Iran, c'est un exemple de pays où est-ce que l'homosexualité est interdite. Alors, si une femme a vraiment la drive de gérer une grande entreprise, bien, elle passe par la mastectomie. Puis le gouvernement l'encourage en plus. Donc, tous les genres sont désormais permis en Occident, sauf peut-être là, dans certaines régions des États-Unis. Un autre quiz. Est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Oh, c'est pas dans le film L'ancien joueur de football. D'abord, homme ou femme? Un homme. Un homme, ouais. Oui. Là où la reconnaissez-vous? Non. C'est moi, l'Halloween 2014. J'aurais dû montrer cette photo-là à mes militants tantôt, hein? J'aurais gagné leur sympathie immédiatement. Non, je vous rassure, ben, je vais pas vous rassurer, il n'y a rien de mal à être efféminé, mais ce n'est pas le cas. Là, c'était l'Halloween, vous avez compris que je m'amusais. On va parler d'homosexualité. Alors, je disais tantôt que les sexes induisent des différences morphologiques chez les hommes et les femmes. On le veut avec la taille, c'est facile à voir, mais c'est aussi vrai dans le cerveau. À l'IRMF, on est capable de déterminer si le sexe d'un cerveau et même le sexe d'un homosexuel. En fait, l'orientation sexuelle d'un homosexuel. Et on le fait en mesurant la taille du noyau NIH3, qui est le noyau quelque part dans l'hypothalamus. Ce qu'on observe, c'est qu'en général, le noyau des hommes est 2 fois plus gros que celui des femmes. Et celui des homosexuels varie entre une taille identique à celle de la femme à une taille identique à celui de l'homme. Donc, l'homosexualité chez l'homme est un spectre. Un spectre, disons, de 0 à 10. Donc, il est à 0
quand la taille du noyau est celui d'un homme standard, donc ce n'est pas un homosexuel dans ce temps-là, puis ça ne le deviendra jamais. Puis si vous avez un facteur de 10, c'est-à-dire que si la taille du noyau est identique à celle d'une femme, bien là, lui, il va toujours l'être, qu'importe ce qui arrive. Mais entre les deux, ce qui est fascinant, entre les deux, donc disons 5, et là, 5, c'est le génotype ici. Le phénotype, lui, dépend de l'environnement social. C'est un mécanisme, puis tu sais, avant de rentrer là-dedans, je vais vous le dire, là, l'homosexualité existe depuis des centaines de milliers d'années, partout sur la planète, ça existe même chez d'autres primates. Si c'était un gène défectueux, la nature s'en serait débarrassée par sélection naturelle. Si le gène existe encore, c'est parce que l'homosexualité joue un rôle biologique. Et j'y arrive à ce fameux rôle biologique-là. Quand l'homosexuel a un score de 5, lui peut prendre une direction, à gauche ou à droite, et ça va dépendre de l'environnement social. S'il est dans un environnement où est-ce que il y a un haut taux de mortalité infantile, où est-ce qu'il y a peu de population, où les conditions sont difficiles, typiquement, l'homme va avoir une vie plus hétérosexuelle. Et dans un environnement surpopulé, où les enfants survivent, mais que la compétition a lieu plus tard à la vie adulte, là, le même individu avec le même score de NIH3 va avoir une tendance à être plus homosexuel. Et puis, vous pouvez très bien imaginer pourquoi ces mécanismes-là ont été mis en place. C'est parce que quand il y a des ressources en abondance, la meilleure stratégie de reproduction des gènes, bien, c'est pas compliqué, c'est de copuler. Mais quand il y a trop de monde et que la compétition est serrée, la meilleure stratégie, c'est plus de copuler. C'est de mieux encadrer les jeunes. Donc, on fait moins d'enfants, on prend plus de soins à les élever. Et il faut penser une chose, c'est que reproduire ces gènes, ce n'est pas nécessairement copuler. Parce que vous pourriez me dire, ben oui, mais comment que l'homosexuel reproduit ses gènes? Bien, il reproduit ses gènes au même titre qu'une grand-mère qui prend soin de ses petits-enfants, elle veille à la reproduction de ses gènes. Parce qu'il y a de ses gènes dans ses petits-enfants. Donc, si elle prend bien soin de ses petits-enfants ont plus de chances de survivre, ont plus de chances de se reproduire. Donc, reproduire ses gènes n'égale pas forcément copuler. Et c'est le cas des homosexuels aussi. L'homosexuel qui prend soin de ses petits-neveux, il reproduit ses gènes. Ce n'est pas étonnant que dans les familles nombreuses autrefois, statistiquement, le dernier gars de la famille était souvent homosexuel. Normalement, ça devrait suivre les lois de la statistique. Il ne devrait pas avoir une probabilité plus grande d'être homosexuel quand tu es le dixième que le premier. Mais quand on regarde les statistiques de facto, il y a une corrélation forte entre l'homosexualité et le dernier. Et ça, c'est une pression naturelle qui s'établit. C'est-à-dire que la nature, elle se dit, bon, regarde, là, il y a assez de monde ici, là, dans cette famille-là. Là, ça prend des mononcles pour s'occuper de la progéniture de ses frères et sœurs. Évidemment, il y a une autre théorie aussi pour l'homosexualité. Je vous la présente par souci. Souci d'objectivité. Passons. On va parler maintenant qu'on a terminé la partie de la biologie 101, on va parler de ce que dit l'idéologie de genre. Le mythe. Alors, selon l'idéologie de genre, il n'y a pas de différence physique entre le cerveau de l'homme et de la femme. Donc, en partant, ça, c'est faux. L'identité sexuelle est un choix, elle n'est pas binaire. La médecine permet désormais de facilement changer le sexe du corps. Et finalement, l'attitude traditionnaliste des hommes cisgenres est responsable du haut taux de suicide chez les transgenres. Alors, ça, c'est 4 mythes. L'histoire a commencé, je vais raconter une triste histoire ici. C'est un Canadien, David Rameur, qui, à sa naissance, on a voulu le circoncire. On a voulu tester une nouvelle machine, puis celui qui opérait la machine, bien, il manquait de pratique, puis il s'est trompé, puis il a abîmé le pénis.
Et là, le médecin, docteur Monet, qui était dans le coin, il s'est dit, ah, voilà mon opportunité de prouver mes théories sur l'identité de genre. Fait qu'il a dit aux parents, il a réussi à convaincre les parents de le castrer et de lui faire croire pendant toute sa jeunesse que c'était une fille. Parce que le docteur Monet voulait prouver que le sexe est une construction sociale. Que, autrement dit, qu'il n'y a pas d'assise biologique au sexe. C'est juste une construction sociale. Donc, au début, avant que les hormones se manifestent, pendant l'enfance, il n'y a pas de problème. Là, ça allait bien. Vous voyez la jeune fille à gauche, là, qui s'appelait Brenda. Et puis, mais à un moment donné, rendu à l'adolescence, même si, comment il s'appelait, David n'avait pas de pénis, puis avait des seins artificiels, à un moment donné, là, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, là. Puis il a décidé de reprendre son identité. Mais le mal était fait, malheureusement. Donc, il s'est fait enlever les seins, etc. Mais il a épousé une femme parce qu'il voulait vraiment jouer son rôle d'homme dans son couple, dans sa société. Mais l'histoire se termine mal parce qu'il s'est suicidé. Finalement, ça l'a traumatisé, puis on peut comprendre, là, que c'est. On peut être traumatisé à moins que ça. Selon le DSM-5, en 2015, ça fait pas longtemps, 2015, ça fait 8 ans, bientôt 9 ans, 0,014% de la population était dite de souffrir de dysphorie de genre. Depuis ce temps-là, il y a une augmentation de 4400%. Évidemment, je pense que tout le monde dans la salle connaît la théorie de Darwin. Là. C'est impossible que notre génétique ait pu changer aussi vite que ça. Alors, forcément, il y a un phénomène de mode qui est en l'air de ça. Il y en a qui invoquent aussi peut-être des substances chimiques dans ce qu'on mange, comme les phtalates. Mais je pense quand même que c'est principalement une question de mode. Là. Surtout quand on regarde ça de près et qu'on réalise que 72% des patients qui disent souffrir de dysphorie, en même temps, souffrent d'une maladie mentale quelconque ou d'un trouble psychologique. Ce chiffre n'est pas représentatif de la population en général. L'autre chose qu'il faut dire aussi, une transition sexuelle, ce n'est pas une visite au centre d'achat. Une transition sexuelle, là, ça a plein d'effets secondaires. Infertilité, vous l'aurez deviné, mais aussi décalcification des os, baisse du quotient intellectuel, santé mentale, suicide, AVC, etc. Malgré ça, notre charmant premier ministre Trudeau offre 75 000 $ à tout fonctionnaire qui veut faire une transition de genre. Et le système scolaire, hélas, encourage les jeunes à faire des transitions de genre. Autrefois, c'était surtout les hommes qui voulaient changer de sexe. D'ailleurs, à ma dernière conférence là, sur le verbe abrutissement, j'ai eu une de mes amies trans qui était présente, de 75 ans. Elle n'a pas décidé de changer de sexe sur un coup de tête d'adolescente, dans son cas. Là. Mais aujourd'hui, 70% des transitions, c'est des femmes, des adolescentes, en fait. Et puis, on soupçonne, en fait, que le problème avec les femmes, c'est qu'il y a un malaise avec la transformation du corps. Là, vous allez me dire, ben, c'est pas d'hier. Là. Toutes les femmes, on est passées par là. Mais il y a une différence avec autrefois, c'est que la puberté, pour des raisons qu'on ignore, recule ou avance, dépendamment de comment vous placez. C'est-à-dire qu'à chaque 10 ans, on perd 3 mois. La puberté arrive plus vite. Encore une fois, on pense que ça peut être dû à des substances chimiques, ça peut être dû à l'obésité, ça peut être dû au phtalate, mais ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe comme phénomène? On se retrouve avec des têtes de petites filles dans des corps de femmes. Et ça crée un malaise. Et ce malaise-là est accentué par la pornographie en ligne, l'instrumentalisation qu'on fait de la femme sur Internet. Alors, la petite fille qui est habituée de chamailler avec ses chums, puis que là, tout à coup, elle ne peut plus se chamailler parce que là, il y a deux trucs bizarres, sensibles qui ont poussé,
Puis après ça, elle se met à regarder Internet, puis elle se dit, « Non, oui, je veux pas être une femme, là. » Dans 80 % des cas, ça passe. La jeune fille finit par maturer dans sa tête aussi. Sa tête finit par rejoindre son corps. Puis rendu à 18 ans, elle commence à les aimer, c'est ça. Elle commence à voir que ça fait de l'effet chez les hommes, t'sais. Mais entre les deux, il y a un malaise. Et si pendant ce malaise-là, bien, son professeur d'école ou son médecin il dit, bah, t'es peut-être né dans le mauvais corps. Bien, ça y est. Elle traverse la ligne fatidique, la ligne de non-retour. Transition. Donc, ça, c'est le phénomène que je viens de décrire, là, de la puberté qui arrive de plus en plus tôt. Et ça a d'autres conséquences, malheureusement, cette puberté précoce-là aussi. Ça induit un risque plus élevé de dépression, d'anxiété, toxicomanie, puis d'autres problèmes psychologiques aussi. Alors, souvent, on pose des faux diagnostics. Une des explications de l'augmentation, selon moi, l'hypothèse que j'apporte, c'est qu'une explication pour l'augmentation fulgurante de dysphorie de genre, le diagnostic, devrais-je dire, de dysphorie de genre chez les jeunes filles est dû à ce fameux malaise-là, dû à la puberté précoce. Malheureusement, vous connaissez la culture de l'annulation, l'espèce de wokisme de l'identité de genre. On ne peut plus dire ce qu'on veut. On l'a vu tout à l'heure, hein? Mais c'est vrai aussi dans plusieurs instances. En France, un parent qui s'oppose à la transition de son enfant peut encourir 3 ans de prison. Un médecin suspendu pendant 10 ans. Au Québec, à partir de l'âge de 14 ans, un enfant peut réclamer des bloqueurs d'hormones. Et ça, là, il ne faut pas croire, parce qu'on nous raconte que des bloqueurs d'hormones, ça ne laisse pas de traces, c'est faux. On réalise, les études commencent à sortir, puis on constate qu'au contraire, ça a plein d'effets secondaires, les bloqueurs d'hormones. Les bloqueurs d'hormones, c'est une substance qu'on prend pour retarder notre puberté, pour se laisser le temps de choisir. T'sais. Si on est une femme, on est un homme. Et à 16 ans, une jeune fille peut se faire faire une mastectomie sans même l'aval de ses parents. Pensez à ça, là, c'est fascinant. Vous avez 16 ans, vous n'avez pas le droit d'acheter une bière au dépanneur, mais vous avez le droit de vous faire arracher 2 seins. Je ne sais pas, là, c'est-tu juste dans ma tête d'ingénieur que ça ne sonne pas rond, là? Moi, ça ne rentre pas, là, ça, c'est... Comme j'ai dit tantôt, mon ami là, qui a décidé d'avoir une transition sexuelle à 70 ans, j'ai aucun problème avec ça. Mais 16 ans, 15 ans, non. En Ontario, si un psychologue fait une psychothérapie pour évaluer si la dysphorie de genre n'est pas un faux diagnostic, pour amener la jeune fille à réfléchir, à savoir s'il n'y a pas d'autres explications potentielles à son malaise, bien ça, c'est rendu illégal. Illégal. Exactement. Un cas qui vient de se produire la semaine passée. L'enseignante de Waterloo, qui est dans un comité de professeurs. Et puis là, à un moment donné, on veut mettre 2 livres qui parlent d'identité de genre dans la bibliothèque des enfants. Puis il y a une discussion là-dessus. Elle n'est pas d'accord. Elle n'impose pas son idée. Elle veut juste s'exprimer. On lui refuse le droit de s'exprimer. De juste exprimer pourquoi elle a des réticences à ce que ces livres-là se retrouvent dans la bibliothèque des enfants. Alors, elle se fait couper la parole, elle a porté appel devant les tribunaux. Elle dit, c'est pas vrai que le président du comité va m'empêcher de m'exprimer. Eh bien, savez-vous quoi? On est en Ontario. Donc, la justice a confirmé la décision du président. C'est la société dans laquelle on vit, surtout à l'Ouest. Un autre cas aux États-Unis, cas de Chloe Cole. Il y a beaucoup d'incidences de dysphorie ou de faux diagnostics de dysphorie de genre chez les jeunes filles autistes. OK?
Encore une fois, ça défie la statistique, là. Donc, une corrélation. Alors ici, Chloé, comme bien des jeunes filles de son âge, est sur Instagram. Elle est rendue à 12 ans, adolescente. Puis ses amis commencent à avoir des gros seins, puis elle a des petits seins. Puis elle est frustrée de ça. Et a conclu, encouragée par tous les spécialistes autour d'elle, qu'en réalité, c'est un homme. Donc, elle passe par l'opération. À 15 ans, commence ses bloqueurs de puberté à 13 ans. À 15 ans, elle subit sa mastectomie. Un mois après, dans un cours de psychologie, donc c'est important la psychothérapie, là, tu sais, ce qu'on interdit en Ontario, là, c'est important qu'on prenne des ados. Tu sais, l'adolescence, ce n'est pas une période facile pour personne. On a tous été adolescents dans la salle ici, certains ça fait plus longtemps que d'autres, mais on se rappelle, il y a des crises dans l'adolescence. Alors, c'est bien si vous êtes capable, dans ces crises-là, de pouvoir parler à un spécialiste qui essaye de vous donner un peu de visibilité, là. Alors, elle, c'était un cours de psychologie qui l'a allumé. Puis là, elle a réalisé que, ben non, c'était un faux diagnostic. Donc, elle est revenue en arrière, elle a détransitionné. Et puis là, il y a deux choses qui croisent beaucoup de ce temps-ci. Le pourcentage de dysphorie, mais un autre pourcentage qui suit pas loin en arrière, c'est le pourcentage de détransition. Il y en a de plus en plus. Alors, elle, je vous invite à l'entendre sur Internet. Vous allez voir, elle a une voix très grave comme ça. Mais c'est les effets secondaires, évidemment, de la testostérone qu'elle a pris. Elle a des problèmes de sécheresse vaginale. Bref, aujourd'hui, elle poursuit le corps médical. Et moi, je vous fais une prédiction. Elle poursuit le corps médical. Les gens qui l'ont conseillé pour aller avec une transition sexuelle. Moi, je vous fais une prédiction. Je pense que ça va pleuvoir tout à l'heure, les poursuites. Moi, je pense qu'on est devant une catastrophe sanitaire. Puis il va y avoir des poursuites, ça va pleuvoir. Malheureusement, on endoctrine maintenant les jeunes très, très tôt. À l'intérieur du cours « Culture et citoyenneté québécoise », à l'intérieur d'une exposition unique en son genre, vous en avez sûrement entendu parler, on impose des lectures dont la romancière est une militante, Sophie Labelle, militante, trans, engagée, et c'est ce qu'on fait lire aux enfants. Et puis, au Québec, au Canada en général, sauf tout récemment au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, un enfant peut décider de changer de prénom à l'école sans avertir les parents. Et tout le monde est obligé de respecter son nouveau prénom, y compris les enseignants, ses petits-enfants, ses petits-amis. Puis ses petits-amis, ils ne respectent pas son prénom, mais sont en punition puis ont des sanctions. Alors, une caricature pour résumer ma pensée ici. Évidemment, c'est de l'humour, mais à peine. Je vais parler de sport maintenant. Vous la reconnaissez certainement, Catherine Thomas, qui était loin d'être un athlète à l'époque, depuis qu'elle a eu sa transition, bien évidemment, elle gagne toutes les médailles. Est-ce que c'est juste? Passer du 65e rang au premier rang. Avant ça, à la CIO, il y avait une règle, tu sais, si votre taux de testostérone dépassait un certain seuil, ben vous ne pouviez pas concourir. Pression du lobby, l'identité du genre oblige, ils ont retiré ce fameux seuil. Un autre exemple, Craig Telfair. En 2016, il est au deuxième rang, 200e rang, dis-je. 2017, ça ne s'améliore pas ses affaires, 390e rang. 2018, Craig devient une femme. 2019, championne mondiale. Quand on veut, on peut. Je ne suis pas capable de gagner la médaille d'or avec mon sexe, je vais la gagner avec l'autre sexe. Hein? Ah là, ça va vous faire plaisir, ce bout-là. Le signe de dollar n'est jamais loin en arrière de tout. Hein?
vous comprendrez que dans l'industrie de la transition, là, ça implique des sommes phénoménales. Et les gens qui ont des intérêts financiers là-dedans vont gratuitement soutenir des militants. C'est un petit peu comme le véganisme. Hein? Le véganisme, là, Monsanto, ils en soutiennent des végans. Parce que le jour où on est tous végans, Monsanto va quadrupler son chiffre d'affaires. Alors, c'est une industrie plusieurs milliards de dollars, puis qui est en croissance. Puis le lobby fait pression sur les gouvernements pour que le gouvernement paye les transitions. La belle affaire. Imaginez-vous, une femme va avoir une augmentation mammaire? Non, il faut qu'elle paye de sa poche. Elle veut se faire arracher les seins? Ah, le gouvernement paye. L'industrie est morte de rire. C'est le gouvernement qui paye, mais l'argent va dans leur poche. Donc, même les gens qui n'ont pas l'argent, ils vont subir une transition. C'est le payeur de taxes moyens qui va payer pour, puis eux autres vont s'enrichir. Et évidemment aussi, le lobby juridique supporte les poursuites judiciaires des parents. Donc, ils vont aller voir les enfants, puis ils vont dire, « Garde, on va te payer un avocat gratuit pour poursuivre tes parents. » Les prochains parents vont y penser deux fois avant d'empêcher leur enfant de subir une transition. Heureusement, le vent commence à tourner. La Suède était un des premiers pays à faire la promotion de l'identité de genre. C'est des gens en Suède qui sont assez innovateurs sur le plan social. Des fois, pas toujours pour la bonne cause, mais bon. Mais même la Suède a décidé de ne plus prescrire de bloqueurs d'hormones avant 18 ans. Ça, c'est tout récent, hein? C'est 2021. La Finlande et le Royaume-Uni viennent de suivre la Suède dans cette décision-là. Tavistock, que j'appelle la boucherie célèbre d'Angleterre, a dû fermer ses portes. Ils ont déterminé un taux de 97,5% de faux diagnostics. Autrement dit, 97,5% des patients qui ont subi une transition sexuelle, ça a été déterminé après que finalement c'est un faux diagnostic. Ça, c'est de l'irresponsabilité qui a un I majuscule, n'est-ce pas? Heureusement, ils ont été fermés. Et de plus en plus, il y a des initiatives de professionnels. J'ai participé à une récemment, une lettre qui a été envoyée par une centaine de psychothérapeutes. Puis Yvon Dallaire, celui qui a signé la préface de mon livre, qui est l'expert du couple du Québec, m'a même demandé de signer. Je leur ai dit, ben non, moi je suis ingénieur, je ne suis pas psychologue. Ils voulaient avoir ma signature, je l'ai faite. C'est rigolo. Alors, il y a des initiatives comme ça de professionnels pour commencer à dire au gouvernement, bien là, vous devez peut-être réfléchir, là, remettre en question là, ces idéologies-là. L'autre transgenriste, c'est des gens qui ne subissent pas de transition. Fait que là, au moins, il n'y a pas de catastrophe sanitaire, mais ils se disent de l'autre sexe. Alors, comme la caricature l'illustre ici, un homme peut rentrer dans les douches des femmes sous prétexte que c'est un homme. Ben, c'est une femme. Et puis, refuser de puis j'ai reçu une lettre aujourd'hui d'un fonctionnaire fédéral, puis après sa signature, il y a le fameux « il »,« elle », tu sais, « lui »,« la », là, c'est rendu que tous les fonctionnaires ajoutent ça après leur nom. Et si vous refusez d'appeler madame, une femme qui se présente à vous, là, qui ressemble à une femme, sans détail, vous êtes passible de harcèlement. Puis au Canada, harcèlement, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et ça, ce délire-là, ça va jusque dans les prisons. D'après vous, est-ce que la créature, on va dire ça, qui est à droite, c'est un homme ou une femme, selon vous? Votre intuition, on vous dit quoi? Moi, mon intuition, c'est juste parce qu'encore une fois, je suis ingénieur, je suis borné, là. Moi, je vois un homme. Mais cet homme-là est accusé, il a été huit fois reconnu coupable d'agression sexuelle. Là. Je ne parle pas de toutes les fois qu'il était accusé, je parle juste des fois qu'il a été reconnu coupable. Agression sexuelle sur des femmes. Et qu'on décide de l'emprisonner. Mais au moment de rentrer en prison, il dit, « Ah non, je suis une femme. » Donc, on l'a envoyé dans la prison des femmes.
Et quand on fait les statistiques au Canada, le pourcentage des criminels, de ceux qui ont fait de la prison, qui ont déjà eu une accusation d'agression sexuelle, c'est 20% dans la population générale. Mais chez les femmes trans en prison, le pourcentage, c'est 80%. Je pense que nos fonctionnaires auraient besoin de certains cours de statistiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est bien clair que, peut-être pas tous, mais une majorité de gars comme ça, qui se prétendent femmes, c'est soit pour... Puis d'ailleurs, grâce, puisque c'est une femme, il y a eu une peine réduite. Parce que vous savez qu'il y avait des peines de prison pour hommes et pour femmes. Mais puisque c'est une femme maintenant, il y a eu une peine réduite. Puis en Angleterre, bien, il y avait un prédateur sexuel incroyable comme ça qui s'est prétendu femme. Puis devinez ce qui est arrivé rendu en prison. Bien, il a continué. Hein, il a fait 4-5 autres victimes encore rendues en prison. C'est facile. Il y a les femmes devant lui comme ça. Ça sonne comme de la science-fiction, à ce que je vous raconte. Mais dans mon livre, toutes les références sont là. Hein. Alors là, on va réviser les paradoxes. Les paradoxes de l'idéologie de genre. Premier paradoxe. J'admets qu'autrefois, des gens ont souffert parce qu'ils ne s'identifiaient pas à leur stéréotype sexuel. Mais aujourd'hui, un homme peut se promener en jupe, il peut s'habiller en rose. Aujourd'hui, il y a une panoplie de genres. Comment se fait-il qu'alors qu'il y a moins de pression que jamais pour adhérer à un stéréotype, que les transitions de genre explosent? Il n'y a pas une incohérence ici, là? Je peux comprendre en Iran, je redonne mon exemple de l'Iran encore, une femme qui a de l'ambition dans la vie, elle ne se voit pas en burqa, là, à lever le plancher à quatre pattes à terre pour le restant de ses jours. Je peux comprendre qu'elle se dise, regarde, moi je veux être un homme là, dans la vie. Mais en Occident, ou est-ce qu'on peut même se promener un gars pour se promener en talon haut pour on ne le regarde même plus? Là. Les années 50, c'est autre chose, mais là, on s'en fout. Je me serais attendu à ce qu'il y ait moins d'opérations qu'avant. Mais non, c'est l'inverse. Ça, c'est le premier paradoxe que j'identifie. Deuxième paradoxe, en vertu de l'idéologie woke, vous savez, un blanc ne peut plus se déguiser en noir, hein, les fameux blackface. C'est immoral. Mais expliquez-moi comment ça se fait que c'est moral qu'un homme se déguise en femme. Puis pas n'importe quelle femme, là. Un blackface, on s'entend, ça se foutait de la gueule des Noirs. Mais ça, c'est se foutre de la gueule des femmes. Qui dans la salle, dans l'auditoire ici, ressemble à ça, là? Même jeune. C'est pas édifier une femme. Mais c'est pas, là, mais quand je regarde une femme comme ça, là, je pense qu'elle n'a pas de PhD, tu sais. Mais ça, c'est correct, c'est moral. Donc, c'est moral de se déguiser en drag queen, puis que ça se fasse dans un bar, sur la rue Saint-Laurent, à 2h du matin, je m'en fous pas mal, mais que ça se fasse dans une bibliothèque où des enfants de 5 ans apprennent à lire, mais c'est quel message qu'on envoie à nos jeunes filles? Après ça, on s'étonne que la jeune fille, elle se dit plus tard, non, moi, je change de sexe, là. Elle voit ça, se faire dire ça, c'est une femme. Elle se dit, non, oui, je ne veux pas ressembler à ça plus tard. Je vais être un homme. Un autre paradoxe. Récemment, vous avez suivi le conflit en Palestine entre la Hamas et les Juifs. Ben, imaginez-vous donc que notre charmante communauté LGBTQ2+, XYZ, là, a appuyé la Hamas. Ben, moi, j'avais le goût de leur dire, allez les appuyer de plus près, là. Ils vont se faire trancher la tête. Mais non, mais ces gens-là sont sur quelle planète, là? Je ne comprends pas, là. Tu sais, c'est comme... Oui, mais les Israéliens aussi. Hein? Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que l'Israël ou la Hamas, c'est mieux. C'est des Israël ne tuera pas une LGBTQ, par exemple. Ah oui. C'est la différence. Elle tue tout le monde.
si les organes génitaux ne définissent pas le genre, parce que c'est ça le langage, c'est ça le discours, mais s'ils ne définissent pas le genre, ben pourquoi? Pourquoi les enlever le ferait-il? C'est incohérent. Fait que finalement, il n'y a jamais de fumée sans feu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça, là, au fond, là? Et j'arrive à ma conclusion, qui est une hypothèse. En Iran, je répète, l'homosexualité est interdite, l'État encourage les transitions sexuelles. Ici, les statistiques sont claires. 60 % des diagnostics de dysphorie de genre sont confondus avec une homosexualité non assumée. Tu sais, le pourcentage d'homosexualité dans la population de 2 % ça dépend selon des époques, entre 1 et 3 %. Mais comme par hasard, chez ceux qui demandent une transition, c'est de 60 %. Fait que la vraie raison, au fond, là, ça ne serait pas que les gens n'assument pas leur homosexualité. D'ailleurs, il y a une scission qui est en train de s'opérer, et c'est ce que représente ma caricature ici. Il y a une scission qui est en train de s'opérer dans le mouvement LGBTQIA2S, et la craque passe dans le T, ce n'est pas par hasard. Il y a de plus en plus d'homosexuels qui commencent à dire « Moi, je ne m'identifie plus à ce mouvement-là. Là. Moi, je n'ai plus rapport avec ce mouvement-là. » Et longtemps, les lettres de droite, là, se sont appuyés sur les discriminations qu'ont subies les homosexuels autrefois, en disant, regardez là, comment vous avez été injuste à l'époque envers les homosexuels, vous les avez discriminés, vous leur avez dit qu'ils étaient malades mentaux, parce que c'est ce que le DSM disait à l'époque, que l'homosexualité, c'est une maladie mentale. Hein, le clergé n'était pas loin dessous. Hein. Et là, vous êtes en train de reproduire la même chose avec nous, les trans. Vous êtes en train de nous dire qu'on a une maladie mentale, alors vous êtes en train de reproduire. Puis, on l'a tout un peu, à notre âge, on l'a tout un peu sur le cœur. Les jeunes, non, ils n'ont pas connu l'homophobie comme nous autres. On l'a tout un peu sur le cœur, tu sais, nos comportements homophobes à l'égard des homosexuels. Moi, personnellement, j'ai fait le tour de la boucle avec l'explication scientifique que je vous ai exposée tantôt. Moi, j'ai compris que l'homosexualité, c'est pas un choix, là. C'est la nature, c'est un mécanisme biologique. Mais il y en a qui ne sont pas rendus là. Puis, malheureusement, je crains que pour plusieurs, je ne dis pas tout le monde, mais que pour plusieurs, au fond, l'identité de genre, c'est le nouveau visage de l'homophobie. Alors, c'est ma conclusion. C'était bien plus simple autrefois, n'est-ce pas? Alors, je vous laisse sur cette note d'humour que tous ne semblent pas piger. Il manquait une diapo. Alors, voici mes recommandations. Interdire la transition sexuelle chez les mineurs. Interdire les contacts des gens âgés de moins de 14 ans avec les drag queens. Le gouvernement ne devrait pas payer pour les transitions sexuelles, pas plus qu'il paye pour les chirurgies plastiques. Une psychothérapie d'un an est obligatoire avant toute transition, ainsi qu'une recommandation du thérapeute. On veut prévenir les faux diagnostics. T'sais. De la même manière, comme l'aide à mourir, moi, je suis d'accord avec ça. Quelqu'un qui veut se suicider, il peut avoir des bonnes raisons de le faire, mais il ne faut pas faire ça sur un coup de tête. Il faut que tu ailles en psychothérapie pendant un an, puis si tu as le temps d'expliquer ça à ton thérapeute, que toi, tu es un ex-athlète, puis que tu es rendu en chaise roulante, puis que tu es quadriplégique, puis que la vie est un fardeau, puis tu n'as plus le goût de vivre, moi, je respecte ça, quelqu'un qui décide de s'enlever la vie. Mais ça prend une psychothérapie. La même chose pour une transition de genre. Seul le sexe de naissance doit apparaître aux pièces d'identité, sauf transition. Les pronoms doivent suivre le sexe de naissance, sauf transition, évidemment. Si je vois arriver un homme avec des grandes crinières blondes, des gros seins en talons hauts, je vais l'appeler madame de façon naturelle. T'sais. Les femmes trans doivent être interdites des compétitions sportives féminines. Ben, ça va de soi. Là. Ça crée une compétition déloyale. Les hommes doivent être interdits des pénitenciers et toilettes pour femmes, sauf si transition. Je n'ai pas de problème. Tu dis que tu es une femme, ben, passe au bistouri, puis tu reviendras.
Et dernière recommandation, rendre la lecture du livre « La biologie de l'amour » obligatoire au secondaire. Là, vous pouvez m'applaudir.